pourrais parler rapidement avec Fritznel. Fritz Eriol Mistial. Fritz Eriol Mistial, Fresnel Casimir et Fridlin Benoît. Même là, nous pas bien temps. Il a porté message là. On va commencer avec Casimir. Bonjour, monsieur Guerrier. Non, pas monsieur Fresnel Casimir. Nous passons dans la radio pour nous faire passer revendication. Il y a un groupe étudiant en attente pour nomination. Justement, qui s'est adossé à une date qui était alors février 2023. Ensemble d'étudiants qui soutiennent dans l'Université de l'État d'Haïti, nous avons signé un protocole d'accord ou bien un contrat avec le ministère de l'Éducation nationale et via avec l'ancien ministre Nispi Maniga, côté que l'été dit nous pour nous prendre un bâton pèlerin à genoux pour nous aller partout dans les territoires reculés du pays pour nous aller faire stage parce que nous avons besoin de ce système-là. Et j'ai un protocole d'accord, il était signé avec le ministère alors, d'École normale supérieure, il dit ça. Depuis là, nous allons faire stage et nous allons partout. Par exemple, moi-même, quand je parle à Vola, je suis allé dans NIP. Camarade, ça, tu es allé en l'Ouest? Non, en Savo. En Savo, pour aller faire stage. Mm-hmm. Et malheureusement, jusqu'à présent, j'en ça a été défini dans le contrat. Tu as supposé procéder à nomination, nous. Donc, nous passons là pour nous voir un message by le ministre Antoine Augustin et également PM Gary Conille pour nous dire que. Son urgence pour lui procéder à nomination, nous, parce que lorsque nous sommes allés dans la salle de classe, évidemment, nous avons constaté que nous avons besoin de ce système-là. Pas de professeurs dans la salle de classe, nous avons vide dans ce système-là. Et malheureusement, nous apprenons que nous avons des matraquages qui ont fait pour boycotter le dossier. Ça, côté des gens qui ont dit que nous étions déjà professeurs dans la salle de classe et nous avons même tout, il faut nous nommer. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mais nous avons un message pour nous dire PM Gary Conille, tant pis, s'il vous plaît, gens qui l'ont prôné dans le discours. Et intégration des jeunes, notamment les femmes. Et bien, dossier, ça a gagné environ 35% de femmes là-dedans qui sont professeurs mathématiques, physique, etc., qui ont nomination. D'accord. À conclure. Bonjour, guerrier. Permettez-moi de retirer sous personnalité, prendre sous personnalité juridique. Je dois saluer toute la population haïtienne. Non, je salue en particulier la communauté étudiante IEH là, qui évidemment impliquée dans le processus de stage et nomination. Et permettez-moi d'interpeller d'abord et avant tout mon ancien professeur à la faculté d'ethnologie. Je voulais parler du professeur Antoine Augustin. Professeur Antoine Augustin, me fait environ 4 années, m'a suivi cours à la faculté d'ethnologie, côté que, où t'es un meilleur professeur m'te gagné dans l'espace là, un professeur qui est très efficient. Où t'es toujours à vendre un discours progressiste, un discours évidemment et changement social, je dis à vous au pied du mur, où c'est ministre éducation pays a. Moi interpellé en mon nom personnel, Fritz Eriol Mistial, sous nécessité pour que ou permettre à ce que justement nous joignent nomination nous. Permettez-moi du coup également interpeller pour le ministre pays a qui c'est PM Gary Conille. Yon a pi belle tête Haïti jam accouché, on a meilleur technicien pays a jam accouché. PM Gary Conille, c'est certain. Et, ou au parfum de l'actualité, ou dans la cuisine, non, ou qu'on est très bien que, il y a un pile jeune, un phénomène de fuite de cerveau, évidemment, Haïti a traversé actuellement. Ce qui signifie que, en clair, pour tout le monde qui a comprendre, il y a un pile cadre, il y a un pile jeune, belle tête qui bien formée, qui quitte le pays, il a migré, que ça soit vers les États-Unis d'Amérique, que ça soit vers l'Amérique latine en particulier. Donc, nous autres, on a fait résistance. En pile dans nous, il y a possibilité pour nous quitter le pays, mais ça que certain, c'est que nous inscrivons dans une démarche qui dit, côté nous dit nos que l'éducation est le premier des biens publics, tant que Jean-Jacques Rousseau dit dans l'émile ou de l'éducation. Ce qui signifie que nous primordialisons l'éducation. Nous voulons intégrer le système, non. Comme monde qui sacrifie nous en d'un pays. En pile dans nous, fait l'école normale supérieure, moi-même particulièrement, fait l'école normale supérieure, faculté d'ethnologie, faculté de droit. Ce qui signifie que nous t'as quitté le pays, mais ça que certain, c'est que si nous tous allons au final, qui soit pays. Donc, ce qui signifie que ministre Gary Conille, nous demandons encore une fois, nommez-nous. PM Antoine Augustin, encore une fois, nous demandons. Étant donné que nous avons fait stage pour l'État, dans un contexte qui était très, très difficile, nous pouvons toucher, payez-nous. D'accord. Nous avons saisi l'occasion très rapidement pour nous terminer. Pendant nous avons dit que nous saluons publiquement ancien ministre de l'Éducation nationale, qui c'est Nespi Maniga, qui te comprend nécessité pour te faire de l'éducation la priorité des priorités. À tel enseigne, il te arrivé, dit être qu'il y a nécessité pour signer un protocole d'accord avec l'école normale supérieure pour intégrer tout jeune, évidemment, qui passait dans l'école là, pour venir intégrer le système éducatif là. Ministre Maniga nous saluer, décision. Jodi Aoussé, directeur
cabinet PM là. Je pense que on a meilleure position pour t'aider nous joindre nomination. D'accord. Non, donc nous espérons que le message là privé dans oreille et chef cabinet hein, parce que les oreilles et bon chance ça. Bon pas mal c'est même message là. Même son fille mais t'as compris hein? Oui on allez. Moi saluer chaque grand monde, moi saluer population haïtienne là. Donc Jean Camarade yo sot di lan, nou te fè yon stage, donc stage lan li te dwe abouti ensemble avec nomination nou. Donc vu contexte actuel là, donc gen an pile parler an pile qui t'a fait quoi dossier an yon ti crase difficile. Donc nous interpeller premier ministre là, nous interpeller ancien ministre éducation nationale là qui c'est ministre Nesmi François Maniga. Et puis nous interpeller autorité concernée sous l'agent stage nous parce que en dépit de tout n'a demandé nomination nous mais nous gon corps de stage que nous doit nous après plusieurs mois yo pas jamais payé nous n'a prétend nous connaît comment situation pays en difficile comment nous toutes c'est sous bon c'est dans la misère de résistance n'a fait nous non précarité qui on ne peut plus wow donc c'est ça n'a demandé pour nous conclure n'a dit loi comme stage là et oui, puis loi bon loi dans fonction publique là qui dit normalement dans article 49 là comment intégration nous doit faire dans le système là or nous fait tout ça nous doit faire nous à l'école nous fait tout ça au monde nous pour nous faire donc n'a pas attendre pour faire suivi pour nous le plus tôt que possible merci un peu parce que l'école pas attendre d'accord merci un peu messieurs dames et non c'est doyen